Un petit bilan de ces deux jours. Alors, des moments très forts, des moments pleins d'émotions, des moments de travail, permettant de regarder la pêche telle qu'elle l'a été avec les Terre-Neuvades, telle qu'elle est aujourd'hui. Avec un certain nombre de pêcheurs rencontrés, et puis telle qu'elle sera demain avec tous les projets de la criée. Donc voilà, une belle séquence, au fond grâce au Big Tour, parce que s'il n'y avait pas eu ça, probablement que la ministre ne serait pas venue. Donc voilà, on a essayé d'allier l'innovation avec l'avenir, avec notre histoire et l'identité de ce territoire. Et puis le fait que la ministre de la Mer soit originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon, évidemment, c'était un vrai plus. Je suis à Fécamp pour deux raisons. D'abord parce qu'il y avait un événement BPI qui tourne sur le littoral français et que je souhaitais venir encourager cette tournée qui porte l'innovation, le dynamisme, les solutions, c'est des plateformes de solutions pour tous les défis qu'on a à relever pour construire ce monde plus juste, plus durable, où la pêche a un rôle important. Et donc j'ai choisi effectivement Fécamp, venir ici à Fécamp hier et aujourd'hui, parce que ce port de pêche, j'ai aussi un grand coup de cœur pour lui. Je viens de Saint-Pierre-et-Miquelon. Fécamp, c'est le pays des morutiers, c'est les Terre-Neuvas, c'est les pêcheurs d'Islande. C'est ma propre histoire également. Ils venaient pêcher à Saint-Pierre-et-Miquelon. Je visiterai tout à l'heure le musée ici à Fécamp qui parle de toute cette histoire. Donc proximité aussi très forte avec mes origines. Et puis les pêcheurs de Fécamp aujourd'hui, bien entendu, se sont réorientés vers d'autres types de pêche. On a compris, comme à Saint-Pierre-et-Miquelon, qu'il était extrêmement important de gérer la ressource, notre ressource. Et c'est pour aussi les accompagner dans leur projet d'avenir, que ce soit les pêcheurs ou même ou la criée, que je suis également là. Le Big Tour, c'est la tournée de la relance, la tournée de la confiance, qui permet en fait de découvrir toutes les communautés de BPI France. La French Fab avec l'industrie, la French Tech avec les startups, le coq vert pour le climat, la French Touch également avec l'art de vivre à la française. En fait, on permet à des jeunes, à des familles, de découvrir le champ de tous les possibles grâce à BPI France pour servir l'avenir. Tu donnes, ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Rien qu'en vivant, tu donnes. Ce que tu génères est précieux. Ça fait quand même quasiment un an et demi qu'on est tous enfermés les uns les autres. Et là, se retrouver, et de façon rassurante, puisqu'en effet, il y avait le respect des gestes barrières, le protocole sanitaire, même si c'était compliqué pour un certain nombre de personnes, parce qu'en plus, c'était le premier jour de son application. Mais je crois que c'était aussi rassurant pour ceux qui étaient présents, de se dire bah, on va pouvoir faire la fête tous ensemble, on va pouvoir revenir à la vie d'avant, entre guillemets, mais avec un certain nombre de protections compte tenu de la pandémie. Donc oui, un vrai bon moment.